Le projet, c'est le dispositif modèle. Il peut se décomposer en trois mots. Mots comme mobilité, D comme détachement et L comme local. On est vraiment sur un dispositif où on a voulu valoriser la gestion inter-entreprise. Et c'est L, entreprise Doucic, entreprise Dijon Céréales et d'autres entreprises qui se sont réunies pour faire du travail collaboratif sur leurs compétences. L'origine du projet, elle est venue face à des constats, difficultés de recrutement, certaines entreprises qui ont des baisses d'activité. Donc tout ça, on tourne autour de la flexibilité du travail et on a voulu effectivement faire ces coopérations inter-entreprises pour pouvoir réfléchir à plusieurs et mutualiser tous nos moyens et nos compétences et du coup essayer de voir la mobilité de leur personnel des entreprises A vers l'entreprise B. Et du coup ça, c'est vraiment notre réussite d'avoir fait connaître ce dispositif et cette façon de travailler pour accompagner les mutations qu'on a au niveau du monde du travail. Concrètement, dans le dispositif modèle, l'un des outils est le détachement de salariés ou prêt de main-d'œuvre. On a proposé des bilans mobilité, notamment avec l'entreprise Dijon Céréales. Si une personne au sein de l'entreprise a envie d'évoluer, etc., et qu'en interne, ce n'est pas possible, la possibilité de pouvoir le faire à l'extérieur. On a aussi proposé des temps d'échange de pratiques entre les responsables de ressources humaines de chacune des entreprises. Nous, l'innovation, on la voit vraiment dans cette GPEC inter-entreprise pour lever les freins et aller s'ouvrir sur les autres entreprises de notre territoire, aller voir nos voisins, parce que c'est vrai que dans le monde des RH, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Ce dispositif, il a été une opportunité pour nous de nous intégrer encore davantage au sein de ce territoire local, de pouvoir se concerter et d'échanger avec de nombreux DRH à proximité. Il intervient sur différents volets du partage de besoins. C'est aussi un échange sur des profils que l'on a pu rencontrer. Et donc c'est tout autant bénéfique que pour les entreprises que pour les collaborateurs également. Dans l'avenir, c'est un dispositif qui est construit avec et pour les entreprises. Et bien évidemment, on va continuer à l'enrichir et à penser à des solutions nouvelles, innovantes et à expérimenter. Ma région, avancée, partagée.